Pendant des années, j'ai documenté avec ma caméra la vie des exilés qui prennent tous les risques pour atteindre l'Angleterre. Ils ont traversé des continents, des océans et terminent leur voyage sur des embarcations qui partent du nord de la France vers Douvres. Depuis janvier, plus de 8000 ont réussi à atteindre les côtes anglaises. Un record à cette période de l'année. Dans le même temps, au moins 15 personnes sont mortes. Ce jour d'avril dernier, quelques dizaines d'exilés sont récupérés par ce bateau orange des secouristes britanniques. On les voit entrer dans ces grandes tentes blanches, où ils sont enregistrés par le Home Office, avant d'être logés dans des hôtels sociaux. Mais juste à quelques mètres de là, à gauche de ces tentes, sur la plage voisine, certains sont prêts à tout pour repartir vers la France. Parmi eux, Mohamed, 17 ans, originaire du Sahara occidental. Il est arrivé en Angleterre il y a un an. أنا الآن أنظف هذا المكان لكي أنام فيه. Je suis en train de nettoyer cet endroit pour y dormir. ليس لدي أي مكان أنام فيه. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai nulle part où aller. هذا المكان كي أنظفه أحتمي منه على البرد. Ici, je serai à l'abri du froid pour l'hiver. وعلى الشتاء. L'Angleterre nous a abandonnés. Faites bien passer ce message aux migrants qui sont à Calais. S'ils viennent ici, ils connaîtront juste la souffrance. Là, si j'avais un moteur, je partirais avec ce bateau en France tout de suite. C'est un nouveau phénomène sur les côtes anglaises. Comme Mohamed, ils sont de plus en plus nombreux à faire le chemin inverse. Ce sont les déçus du rêve anglais. Le jeune homme partage la plage avec deux amis, Mahmoud, un Jordanien de 26 ans, et Aladdin, un Syrien. Lui est arrivé en Angleterre il y a 3 ans, a demandé l'asile, mais n'a toujours pas de réponse, comme des milliers d'autres dans le pays. Sans papier, il ne peut ni travailler, ni s'installer. Pas de perspective, pas de vie. Il a décidé de quitter l'hôtel où il était hébergé et vit sur le sable depuis déjà 6 mois. Je pensais qu'ici, j'aurais ma propre maison, ma chambre, mon appartement, un travail, un titre de séjour, que j'aurais une belle vie. Mais rien du tout. Si tu vas à Londres, tu verras beaucoup de SDF qui sont dans la même situation que nous. Mais ils ne peuvent pas repartir dans leur pays parce qu'ils ont fui la guerre. Il faut juste rester et mourir ici. Mais non, je ne veux pas mourir dans ce pays. Il n'y a pas de statistiques officielles sur le nombre de ces exilés qui repartent dans l'autre sens. Plusieurs centaines, plusieurs milliers peut-être. Pourront-ils trouver une meilleure vie en France ou ailleurs ? Une chose est sûre, leur condition est devenue trop pénible en Angleterre. Les conservateurs au pouvoir ont durci les lois. Il est de plus en plus difficile d'être régularisé. Et la récente décision du gouvernement anglais d'envoyer les demandeurs d'asile en charter au Rwanda fait peur à tout le monde. Dans le centre de Douvres, un petit café associatif vient en aide aux sans-domicile fixe. Les exilés peuvent s'y réchauffer, bénéficier d'un repas ou charger leur téléphone. Baba qui passe tous les jours pour consulter les sites de météo marine sur les ordinateurs mis à disposition. Il a fui son pays, l'Iran, il y a plusieurs années. Il ne veut pas être filmé. Cela fait 2 semaines que je contrôle la météo. Pour partir en bateau, c'est mieux. J'ai acheté un bateau, mais en ce moment, il pleut. Demain, ce sera un meilleur moment.
Et quand je serai de retour dans l'Union européenne, je pourrai essayer d'obtenir des papiers de plein de pays différents. Ici, c'est juste une île. Est-ce que tu as vu le film King Kong? Ils essayent de s'échapper d'une île. Eh bien, je suis sur cette île. Babak a un plan. Il va nous montrer l'embarcation dans laquelle il a prévu de quitter l'Angleterre pour rallier la France. Un jouet pour enfants qu'il a payé 40 euros. Pour l'acheter, Babak a fait la manche dans la rue pendant 2 mois. Partir sur ce bateau est une folie. Il devra traverser à la rame 40 km de mer au courant très fort, en plein hiver et au milieu des ferries. Impossible de le raisonner. Babak veut partir dans quelques jours. La météo s'annonce bonne. Le soir, Ala Adine, le Syrien qui vit sous son bateau, fait du feu pour se réchauffer. Il cherche un moyen de repartir, lui aussi. Mais pas question de reprendre la mer. Ça, c'était mon premier jour à Londres. C'est quand je suis arrivé. J'étais bien, j'étais heureux. J'étais quelqu'un de drôle à l'époque. Combien as-tu payé pour venir ? 1500 euros. Les mafias viennent te voir, elles te mentent. Elles disent, viens, on va te montrer le chemin, va en Angleterre, l'Angleterre va t'aider, l'Angleterre va te donner des papiers, l'Angleterre va te donner blablabla. Elles mentent. Quand quelqu'un est prêt à aller de l'autre côté de la mer, ça veut dire qu'il est prêt à mourir, à se donner la mort. Est-ce que tu sais ce que ressent une personne quand elle essaye de faire cette traversée? C'est pas facile. C'est pas un sentiment normal, mon frère. C'est fou de traverser pour venir et traverser pour repartir. Ouais, c'est fou, mec. Aujourd'hui, la mer est calme. Pas de nouvelles de Babak, l'Iranien au bateau gonflable. Je m'inquiète, je pars à sa recherche. Au bout de quelques heures, je le retrouve enfin, entouré de policiers. Il a été arrêté au bord de l'eau, avec son canot, prêt à partir. Une navette de la Border Force a été dépêchée sur place. Ce sont les pêcheurs locaux qui ont donné l'alerte. Quand il est arrivé avec son bateau en plastique, il l'a traîné vers l'eau. Il l'a rempli de nourriture et d'eau et il s'est éloigné. Des gens comme ça, on en voit de plus en plus, c'est certain. Moi, j'ai 3 bateaux qui ont disparu, envolés. Tout ce que je sais, c'est que des personnes qui sont parties sur l'un de mes bateaux ont pu être sauvées. L'été dernier, un bateau a été volé sur la plage. Il n'a jamais été retrouvé. Il a été volé une après-midi et le lendemain, il est parti. Je ne sais pas, ça peut être n'importe qui. Est-ce que c'est les migrants qui voulaient repartir? On ne sait pas. Babak est emmené par la police. Dans la foulée, juste à côté, Mohamed, Mahmoud et Alaaddin sont chassés de leur campement de fortune sur la plage. Quelques heures plus tard, Babak retrouve la liberté. La police lui a même rendu son bateau. Ils m'ont arrêté. Ils pensaient que j'arrivais de France. Ils pensaient que j'étais un nouveau, tout juste arrivé en Angleterre. Mais je ne suis pas un nouveau. Je veux partir, partir. Je leur ai expliqué, mais ils m'ont arrêté quand même, parce qu'ils pensaient que je voulais me suicider. Dans ce genre de situation, le suicide serait peut-être le mieux. Mourir ou traverser, je ne sais pas ce qui va se passer. Babak reste déterminé à passer en France. Et pour cela, il existe d'autres moyens. Depuis leur expulsion, les 3 hommes qui vivaient sur la plage ont trouvé refuge sous un pont. Mais ce matin, Ala Adine, le Syrien, manque à l'appel. Il a réussi à monter dans un camion et à passer en France. Mahmoud vient d'avoir de ses nouvelles.
Il est arrivé en Allemagne. Le chauffeur du camion le connaissait. Il l'a embarqué avec lui, grâce à Dieu. Il vient de m'envoyer ses vidéos sur WhatsApp. Il me dit qu'il est bien arrivé. Il y a une chance sur 100 de trouver un chauffeur qui vous embarque. Personne ne veut faire ça. Ils ont tous peur. Je suis content que tout se soit bien passé pour lui. Mais on avait un accord. On devait partir ensemble. L'essentiel, c'est qu'il ait réussi. J'espère le rejoindre bientôt. Des numéros de passeurs circulent. Ils garantissent aux exilés d'être chargés dans des camions vers la France. Ces hommes demandent des fortunes pour rejoindre l'Angleterre et désormais pour la quitter. Allô, comment ça va mon frère ? Ça va. Je suis à Douvres. Ouais. J'ai besoin d'aller en France. Qui vous a donné mon numéro ? Des gens qui sont partis avec vous précédemment. Ils sont arrivés en Europe. C'est 800. Ah. 800 euros ? Oui. Écoutez, je vous jure, je suis pauvre. Je ne les ai pas. Je vous jure, je vis dans la rue. Il faut que ce soit moins de 800. Disons 200 ou 300. 200 ? Oui, 200 ou 300 euros. Non, c'est pas possible. S'il vous plaît. 700 euros, ça ira. Bye bye. Salut. Je n'ai pas de quoi manger, je n'ai pas de foyer, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien du tout. Et lui, il me demande 700 euros. Ce sont des bandes qui amènent des gens de la France vers la Grande-Bretagne et vice-versa, de la Grande-Bretagne vers la France. À chaque fois, ils prennent beaucoup d'argent. Ce sont des groupes mafieux. Il ne me reste qu'à partir seul. Mahmoud n'a pas les moyens de payer. Il décide de se débrouiller seul. Il surveille un parking où des poids lourds en transit viennent stationner. Il cherche le bon camion, celui qui va partir vers le port de Douvres, puis embarquer sur un bateau vers la France. Il va revenir en arrière ou il va avancer? Il est en train de se garer. C'est sûr, celui-ci va partir vers la France. Parce qu'il vient de Londres. Les gens repèrent des camions et ensuite ils montent dedans, dans la nuit. Ils passent par le haut pendant que le chauffeur dort. Il faut déchirer la bâche avec un cutter et une fois qu'on est à l'intérieur, la recoller. Parfois, il peut y avoir quelqu'un avec celui qui veut passer pour l'aider. Quelqu'un qui va lui ouvrir la porte et une fois qu'il est à l'intérieur, lui refermer la porte. Celui qui aide, souvent, il a peur. Aujourd'hui, je vais monter dans ce camion car je suis sûr qu'il va en France. Je l'ai bien mémorisé. J'ai pris sa plaque d'immatriculation en photo. Un peu plus loin, Babak l'Iranien est là, lui aussi. La météo n'est pas bonne. Il a renoncé à son petit bateau gonflable. Il veut tenter sa chance dans les camions. Même chose pour Mohamed, le jeune homme du Sahara occidental sous son pont. Il a déjà choisi le camion dans lequel il veut partir. J'ai filmé un camion qui va en France. Je le sais parce qu'il arrive du nord de l'Angleterre. C'est le camion jaune qui est là. J'ai filmé l'endroit où il s'est garé pour me souvenir de son emplacement. J'ai tenté trois fois de me caler sous un camion, à côté de la route secours. Les trois fois, le camion est parti du mauvais côté. Je suis monté sous des camions, je pensais qu'ils allaient en France, mais en réalité, je me suis retrouvé à Londres. La dernière fois, j'ai failli mourir de froid sous le camion. J'étais transi de froid. Je suis venu dans ce pays parce que la France a refusé ma demande de visa.
C'est l'OFPRA, l'Office français pour les demandeurs d'asile qui me l'a refusé. Maintenant, ça fait un an que je suis ici. Il y a des gens qui se suicident. Dans peu de temps, nous allons partir. C'est mon dernier jour dans ce pays maudit. Au milieu de la nuit, les trois hommes se lancent à l'assaut des poids lourds. Chacun part de son côté. Opa, opa, ça c'est F, la France. Dans le parking, les patrouilles de sécurité veillent. Et les chauffeurs ne veulent surtout pas que des exilés se glissent dans leur véhicule, par peur d'être pris pour des passeurs. Mohamed part se glisser sous le camion qu'il a repéré. Un bac iranien pénètre dans l'enceinte. Il a apporté une bâche en plastique pour se cacher. Il a repéré un camion d'un autre genre. Un convoi exceptionnel qu'il va surveiller pendant plusieurs heures. Vers 5 heures du matin, le chauffeur se réveille et quitte son véhicule. Babak en profite pour escalader la remorque. Je l'accompagne et filme discrètement. Après quelques minutes, le conducteur est de retour. Nous quittons le parking. À l'arrière, nous nous cachons sous la bâche de Babak et des sacs poubelles. Le camion se dirige vers le port. Au bout d'une dizaine de minutes, nous arrivons au poste frontière. Ici, des douaniers arrêtent au hasard certains camions pour vérifier leur cargaison. Le nôtre passe entre les mailles du filet. Nous arrivons à quelques mètres du ferry sur lequel le camion doit embarquer. La dernière ligne droite pour Babak. Nous stationnons dans la file d'attente. Oh, dégagez! Sortez de là! Le chauffeur nous a repérés. Nous nous enfuyons dans le port. Babak est arrêté, encore une fois. Mohamed et Mahmoud, eux, ont réussi à passer et rejoindre le continent. Mahmoud a pris la direction de l'Allemagne. Mohamed, lui, s'est arrêté à Calais. Il a monté sa tente dans un camp d'exilés du centre-ville, au milieu de ceux qui se préparent pour une traversée vers l'Angleterre. C'est de là qu'il était parti, il y a un an. Ici à Calais, ils rêvent tous de partir en Angleterre. C'est vraiment bizarre pour moi d'être ici, alors que je suis allé en Angleterre et que je viens juste de revenir. Ses voisins ne le comprennent pas.
Pourquoi t'es revenu ? Je suis revenu parce que je ne me sentais pas en sécurité en Angleterre. J'ai réussi à me cacher sous un camion. L'Angleterre ne m'a pas accordé le droit d'asile. C'est pour ça que je suis rentré. Écoute-moi bien et souvenez-vous de ce que je viens de vous dire. Et toi, pourquoi tu veux partir en Angleterre ? Oh, je ne sais pas trop. Mais le pays ne donne pas de papier. Je suis resté là-bas un an et je n'ai eu aucun papier. Moi, ce que je sais, c'est que tout le monde arrive à avoir des papiers là-bas. Mais vous allez tous mettre votre vie en danger juste pour aller en Angleterre. C'est la liberté de chacun. Un débat sans fin entre des hommes qui errent depuis des années, entre des pays qui ne veulent pas d'eux. Je suis très fatigué. J'ai traversé plus de 15 pays en camion. J'espère que pour cette deuxième demande, la France m'accordera le droit d'asile. Je ne demande pas à être nourri et logé, que ce soit en Grande-Bretagne ou dans un autre pays. Je veux seulement travailler. Je veux construire ma vie et mon avenir. Quelques jours plus tard, Mohamed quitte Calais et dépose à nouveau une demande d'asile en France, en espérant avoir plus de chances que la dernière fois. L'année dernière, seulement un tiers des demandes d'asile traitées en France ont été acceptées, contre près de la moitié en Angleterre. De l'autre côté de la mer, à Douvres, Babak a été relâché par la police. Deux semaines après l'échec de son passage, le convoi exceptionnel, le camion dans lequel il s'était caché, est réapparu sur le parking. Cette fois-ci, nous nous cachons dans une grosse malle à outils, sous une bâche. Au bout de quelques heures, le camion prend la route vers le port. Nous sommes isolés, aveugles. Le seul moyen de connaître notre progression est de suivre le GPS sur le téléphone. De nouveau, le camion passe tous les postes frontières sans être inquiété. Et cette fois, le convoi exceptionnel embarque sur le ferry et quitte le port de Douvres. Heures de navigation, nous approchons de Calais. Les portes du ferry s'ouvrent et nous débarquons sur les terres françaises. Je n'ai aucun plan de prévu. Après ces deux ans et demi de cauchemar, je dois repartir à zéro. Combien de fois encore? Quand est-ce que tout cela sera terminé? Le camion s'arrête sur une aire de repos. C'est le moment de s'échapper. Babak s'évapore dans la nature. Pour quel destin? Il n'emporte qu'un petit sac plastique où il a rangé toute sa vie. Il promet de me donner de ses nouvelles dans un an.